Bonjour. Pour ceux qui, éventuellement, ne me connaîtraient pas, je suis le professeur L'Huillier, éminent spécialiste en virologie, immunologie, pubalgie, scintigraphie et sténographie. Je sors aujourd'hui de ma réserve pour vous apporter des précisions sur l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier depuis plusieurs semaines. Beaucoup de fausses informations circulent dans les médias. Aussi est-il de mon devoir de rétablir la vérité. Tout d'abord, le Covid-19 est un coronavirus. Comme son nom l'indique, il touche principalement les corons et les consommateurs de bière. Donc, si vous n'êtes ni travailleur minier ni alcoolique, vous avez peu de chances d'être touché. Nous ne connaissons pas encore précisément le vecteur initial de la maladie. Cependant, des doutes subsistent. Si vous êtes zoophile et marié ou paxé avec un pangolin, imposez-lui de dormir masqué et dans la chambre à côté. Le port du masque est absolument indispensable, surtout pour les moches. Penser au bien-être des autres est aussi important que sa propre santé. Si vous êtes en couple, sachez que le virus peut se transmettre par le nez et la bouche, donc les lèvres, toutes les lèvres. Alors, mesdames, je vous conseille de porter également un string FFP2. Vous serez donc intégralement protégés. Cependant, et c'est important, aucun cas de transmission par fellation ou cunnilingus ne m'a été rapporté jusqu'à présent. Le virus peut également muter. Je demande donc instamment aux institutions de refuser toute demande de mutation provenant du numéro 19, et ce, jusqu'à une date indéterminée. Concernant le test, il se pratique par écovillonnage nasopharyngé. Dit aussi bourrage de pif pour les classes laborieuses. Petit message pour les infirmiers pratiquant le test. C'est l'embout cotonné qui doit être introduit dans le nez du patient. Dans le sens contraire, vous allez l'entendre gueuler comme à vous et c'est alors vous qu'allez prendre un bon beau pif. Dernière petite précision. La Chine vient d'indiquer qu'elle a découvert que le virus atteignait également le cerveau, ce qui expliquerait le pourcentage très faible de femmes touchées. Voilà, continuez à suivre mes informations qui tomberont au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Il n'y a qu'avec moi que vous aurez des informations fiables et avérées. Prenez soin de vous.